Toute la semaine, c'est Nicolas Rappen, le chef du Romarin à Metz, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine, avec donc des sardines. Et puis là, tu es en train de couper de l'aneth et de la ciboulette. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça, Nicolas ? C'est pas de la ciboulette, c'est des échalotes. Oui, mais ça rime. C'est ça pour rime, ça. Tu as raison, Valentine. Pour la rime, non mais... On va faire une petite sardinade, une petite tapenade de sardines pour se servir à l'apéritif. Très D'accord, simplement, super. Des sardines, de l'échalote, et pas de la ciboulette, de l'aneth, du citron vert, du zeste de citron vert dedans, c'est le poivre. D'accord. Très simple, sur un petit toast. Sardine en boîte. Hein. Sardine en boîte, D'accord. Tout à fait. Vraiment la petite... Et là, c'est quoi? En boîte à l'huile? Sardine en boîte à l'huile. D'accord. Tout à fait. Avec un goût? Non, rien. Non, pas de goût. Okay. Alors, on peut mettre après, on pourrait rajouter un petit peu d'olive. On pourrait rajouter quelqu'un qui aimerait aller. Moi, je ne suis pas très fan des capres, mais on pourrait rajouter un petit peu de capre dedans. D'accord. Après, on peut vraiment jouer comme on veut. Oui, l'idée, c'est comme à chaque fois, de toute façon, c'est une base, mais après, on tout peut. Tout à fait. On dévie, on fait varier les plaisirs. Plein de voilà. choses. Donc, on va mettre nos échalotes. D'accord. On va mettre de l'aneth. Oui. On va zester du citron vert. Tiens, tu veux que je le fasse? Allez. Donc, zeste de citron vert. Donc, c'est top. C'est bon? Voilà, très bien. Ensuite, on va rajouter un peu de jus de citron vert. Ah, je le coupe? Allez. Tu me dis, le demi, au ouais, moins. Bah après, le citron vert, il y a peu de jus quand même dedans. Donc, on va rajouter un peu de poivre. D'accord. Alors, on pourrait mettre du piment d'Espelette, si on aime bien, pour relever un petit peu. Mmh. Surtout pour l'apéritif, ça se prête bien avec les apéros. Donc, là, un petit peu de sel, parce qu'on est sur de la sardine. Alors, on aurait pu mettre aussi de la fleur de sel, qui apporte un petit peu de croquant au niveau de la dégustation. On va mettre un petit peu de mascarpone, oui. qui aurait pu être un fromage blanc, même des fromages blancs, des fois, même allégé, même tout D'accord. ça, c'est pas gênant. Mm-hmm. Et puis après, et on écrase à la fourchette. Allez. Vas-y. Donc tu mélanges et t'écrases à la fourchette. Hein. Tout à fait. C'est pas mal, là. C'est non, bon. c'est bien. Plutôt que des fois de les acheter en boîte, qu'on sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Là, on a nos sardines, et puis dedans, on sait ce qu'on remet. Oui. Des petits toasts qui ont été au préalable frottés à l'ail, grillés. D'accord. On les fait tout de suite, les tartines? Eh bien, on peut les faire tout de suite. Regarde. Oui. Donc, frottés à l'ail. Puis, ce qui est bien, ça, c'est pareil. On utilise le pain, voilà. Hein, qui... Des fois, du pain rassis. Ben, c'est voilà, ça, on que est... tu grilles, que tu frottes à l'ail et que tu grilles. Tiens, je mets ça sur la planche. Ah, c'est vrai que c'est bien comme recette parce que là, tu fais ça en minutes. Enfin, je veux dire, on a pris vraiment 2 minutes pour la faire. C'est très, très simple. Je te les mets là, hop. Et on goûte? Allez, on peut goûter. On va rajouter dessus des petits pickles. L'oignon rouge, on va apporter un petit peu d'acidité à notre tartine. Voilà. Super, je les mets sur la planche. Et il ne reste plus qu'à goûter. Ok. C'est top parce qu'effectivement, on a ce goût de la sardine. Tout à fait. Et avec le citron, l'aneth, ça fonctionne très bien. Hein, de toute façon, on reste sur des valeurs sûres, on est sur des produits basiques. Mais ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que vous pouvez la faire le soir à la maison. Tu as des amis qui arrivent à l'improviste. En 2 minutes, tu as un apéro qui est fait, qui est sympa, qui est maison. Et en plus de ça, on peut même utiliser les restes de pain. Donc voilà, c'est anti-gaspi, rapide, facile, parfait. Prochaine recette, ça sera quoi? On va faire des œufs cocottes. Aux escargots. Ok. Voilà. On commence par quoi? Donc, tu as ciselé tes échalotes. Alors, j'ai ciselé les échalotes. On met un petit peu de beurre. Pour faire revenir nos escargots. Je le mets sur le chaud? On peut mettre sur le chaud pendant ce temps-là. Hop, on laisse fondre pendant ce temps-là. Je vais hacher un petit peu d'ail. Mm-hmm. Ouais, pour vraiment avoir le mariage persil-ail. Voilà, on retrouve les saveurs de l'escargot coquille, on va dire classique. Alors, on ne va pas chercher à avoir une coloration, ça va être juste pour faire diffuser les saveurs qu'on va faire fondre notre beurre. Voilà. Donc là, on ajoute ail-échalote. On fait très, très légèrement fondre. Mm-hmm. Voilà, on ne cherche pas une cuisson. Hein. C'est vraiment juste diffuser les arômes. Vraiment, voilà. Et là, je mets les escargots. On peut mettre les escargots. Avec le... Ouais, si on, peut les... on va retirer les carottes qui sont avec. Donc, tu mets les escargots seuls. Et les petites carottes courbouillon, tu les laisses. Oui, bon, après, si, s'il y en a quelques-unes, c'est pas méchant. Hop, tu les fais revenir. Là, c'est vraiment les remonter à température, mais... Bah,
C'est vraiment faire fondre, donner les saveurs entre le corps gras qui va donner les saveurs avec l'ail, l'ail et l'échalote. On va rajouter un petit peu de persil à fond. Ah, j'en ai, je l'ai pris, regarde. Tu l'as pris, pardon. Je le mets ? Vas-y, je t'en prie. Tu me dis si t'as pas. Oui, mais encore. On va faire un peu de persil à fond. Voilà, et c'est tout. Ensuite, on prend nos petits caquelons. D'accord. Je vais te laisser mettre 6 escargots par caquelon. Oui, donc je les mets au fond. Tu peux mettre un peu le gras qui va nourrir. Ouais, l'idée, c'est vraiment de récupérer le petit mélange beurre, échalote, ail et persil. Très bien. Voilà. On va mettre un coup de moulin poivre. Un petit peu de sel. Mm-hmm. Et là, on va mettre. On a faim, Valentine, on n'a pas faim, on en met un seul, on en met deux. Oui, on en met un seul. C'est une entrée. Un seul, non, c'est bien. Après, c'est une entrée maintenant. Oui. À la maison, ce qu'on peut éventuellement faire, si c'est un plat, on peut en mettre deux avec une petite salade, c'est parfait. Très bien. Hein? Mais là, comme c'est une entrée. Et voilà. Comme le scoclo classique, un petit peu de crème épaisse. Oui. Mais vraiment le côté, on va dire, bonne franquette, hein, mm-hmm. le côté gourmand de la crème épaisse. Que tu rajoutes, voilà. Mmh. On peut mettre une petite noisette de beurre. C'est gourmand. Donc tu remets un petit peu de beurre. Et ensuite. On va remettre un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Oui. Donc là, on va les passer en cuisson au bain-marie. Alors, on va les démarrer bain-marie. On donne une ébullition et au four, 180 degrés, 5 minutes. 5 minutes, ça marche. Et pendant ce temps, on fera notre petite mouillette. On fera des petites mouillettes avec le pain. Et puis après, on passe à table. Parce que, mine de rien, tu as le goût de l'escargot avec tous les codes, le persil, l'ail, et en même temps, tu as le côté et crème et œuf coulant qui est là pour apporter vraiment la douceur, le côté gourmand. Donc, non, c'est une recette en plus qui est top parce qu'elle est rapide à faire. Pareil, ça, les enfants. Super, ça peut faire goûter aimer les escargots. Exactement, en plus, avec le petit morceau de pain, la petite miette, c'est un peu ludique. Donc, non, c'est top, une belle entrée. Voilà. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va faire un waterzooi de Saint-Jacques. Saint-Jacques dans un boudin. Donc là, on va tailler en petits dés, en brunoise, notre carotte, notre céleri branche, notre poireau. On aurait pu mettre également du céleri boule. On va faire revenir très très succinctement avec un petit filet d'huile d'olive et le chorizo. On va déglacer ensuite avec du fumet de poisson qu'on avait au préalable réalisé. Un bon bouillon pour cuire les légumes. D'accord. Et ensuite, on va couler ce bouillon brûlant sur les Saint-Jacques pour terminer la cuisson. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de les cuire et que ça soit légèrement croquant. Voilà, ou pas qu'il reste croquant. On peut être presque dans la version même limite minestrone avec. On pourrait rajouter des pâtes, on pourrait rajouter. Ah, voilà, oui, on est dans ce même esprit. Oui, là, tu as des petits légumes, on aurait pu effectivement rajouter des petites pâtes, des choses comme ça. Quoi. Ce qui est bien, je trouve qu'avec les. Alors, avec le bouillon, on a ce côté recette un peu souple, c'est réconfortant en hiver, c'est sympa. Le bouillon, c'est un bouillon quoi que tu as? C'est un fumet de poisson. Ah, fumet de poisson. Fumet de poisson, tout simplement. Ça aurait pu être un bouillon de légumes. Oui. On pourrait réaliser la même chose avec version terre et mer, avec pourquoi pas des petits solilès de volaille, avec des Saint-Jacques. Et partir sur un bouillon de poule. Okay. On peut vraiment composer. Oui, tu t'adaptes. Mais alors, la vraie recette du waterzooi, c'est avec un fumet de poisson? Non, pas automatiquement, en fonction de ce qu'on fait. C'est une base de volaille, souvent, au départ. Parce que c'est quoi le waterzooi, là? Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on peut définir quand on parle d'un waterzooi? C'est un pot-au-feu de légumes, de volaille. Oui, il y a l'esprit un petit peu. Voilà, il y a le côté bouillon. Okay. Et tu comptes combien de Saint-Jacques par personne? Là, on est sur 3 Saint-Jacques par personne. Après, c'est pareil, c'est dans le cadre d'une deuxième entrée. Oui. Donc, après, en fonction, on adapte. Et puis, on pourrait servir ça avec un féculent ou autre si on partait vraiment sur un plat. Sur ça en plat. Voilà, tout à fait. C'est bon.
poireaux. On va pas tout couper. Et dans cette recette-là, qu'est-ce qu'on peut préparer d'avance? Bah là, quasiment tout. D'accord. Il n'y a que au dernier moment. Alors, on peut même cuire les Saint-Jacques, alors, les snacker. C'est pas le mieux quand même, parce que les Saint-Jacques, elles vont avoir tendance à recracher leur eau de végétation. L'idéal, c'est d'avoir l'assiette chaude. On snack la Saint-Jacques, on la pose dans l'assiette chaude. D'accord. Et on arrive avec le bouillon brûlant qui va terminer la cuisson pour avoir une belle cuisson nacrée. Et ce qu'on fait, c'est qu'en amont, on prépare tous nos petits légumes. On peut préparer tous les petits légumes, sans problème. Donc là, tu vas faire revenir les petits légumes et le chorizo. Avec le bâton de citronnelle. Que tu as écrasé pour... Voilà, tout à fait. Diffuser toutes les odeurs, enfin les goûts, quoi. Là, l'idée, c'est quoi? De faire quand même une première cuisson? On va faire une pré-cuisson gentillette. Les Saint-Jacques poêle bien fumante. D'accord, avec un petit peu d'huile d'olive. Et tu les snacks alors que d'un côté. Côté volontairement pour que la cuisson se termine avec le bouillon. Avec le bouillon. Oui, et tu les snacks quand même que d'un côté pour avoir ce côté caramélisé, un peu gourmand. Plus croustillant puisqu'elles vont cuire dans le bouillon. Mais en tout cas qu'elles aient une belle coloration. Voilà, tout à fait. Donc là, tu mets ton bouillon. Je vais les cuire avec notre bouillon. On va laisser cuire 5-6 minutes. Donc là, on va terminer la cuisson des légumes dans le bouillon. Les Saint-Jacques, on va les couper, je pense. On va les couper. Les assaisonner, par contre. Dans l'assiette. On met dans l'assiette chaude. Avec le bouillon. On couvre avec le bouillon. Et on mange. Et on mange. Tout à fait. Et on mange. L'association chorizo Saint-Jacques, c'est super. C'est ce qui apporte le petit piquant. Ouais, le petit piquant. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur une recette qui est réconfortante. Tu vois, de saison, il fait froid, tu as le bouillon, les petits légumes de saison. C'est pas gras. C'est pas gras, c'est sain. C'est très, très bon. Et voilà, en plus, bon, moi, j'adore les Saint-Jacques, alors forcément. Donc, c'est encore une belle recette. Alors, tu vas céder le tablier à Jérôme, c'est ça? Jérôme, mon second. D'accord. Il a prévu quoi, tu sais? Oh, je crois savoir. On va partir sur des rognons avec une bonne sauce à la moutarde, à l'ancienne. C'est une recette qu'on fait ici. Donc, ça va être quelque chose d'assez sympathique. Donc, une recette bistrot. Recette bistrot de, voilà, rognons de veau. Donc, Jérôme, ça y est, t'as enfilé le tablier de Nicolas. Tout à fait. Donc, on s'occupe de la recette du jour. Donc, avec des pâtes, c'est ça? Oui, c'est ça. On les passe en cuisson. Au bouillon de salé. Au bouillon de salé, toujours, oui. Je les mets dedans. Donc, voilà. Et donc là, on va avant cuire tranquillement pendant 7 à 10 minutes, ça dépend la cuisson qu'on veut. D'accord. Donc il y en a, ils préfèrent un peu plus croquant, donc on va dire 7 minutes. D'accord. Si on les veut un peu plus fondant, al dente, tout ça. Et toi, pour cette recette-là, tu me conseilles quoi? Alors, 8 à 10 minutes pour une bonne cuisson. Voilà. D'accord. Donc là, on les laisse et puis on va s'occuper Donc maintenant, oui, on va nettoyer le rognon, on va le parer. Oui. Hop, je te laisse la récupérer. Donc en gros, on va la préparer. Donc le rognon qui est entouré de son gras. Oui. Donc on va d'abord le séparer. Mm-hmm. Donc il faut bien enlever. Il faut faire surtout bien attention parce qu'il y a toujours une petite peau qui se colle au rognon. Il faut bien la prendre avec. D'accord. Voilà. Il faut pas l'éviter. Donc ça, c'est une recette qu'on trouve au restaurant. Voilà, on ne le trouve qu'ici d'ailleurs. C'est fait nulle part ailleurs. Mm-hmm. De cette façon. Et ça, c'est une recette, en général, les amateurs... Les amateurs du rognon adorent ça. Et donc, ils vont instinctivement... Voilà. Là, j'ai bien ramené tout le gras avec la membrane. D'accord. De là, on peut la couper. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le parer. Donc, on va bien séparer la membrane de la viande. Mm-hmm. Donc, il suffit tout simplement de suivre le contour. D'accord, ouais, on suit le contour et puis voilà, on gratouille. Ça a besoin d'un temps de cuisson de... Le rognon à cuire, c'est très rapide. Hein. C'est surtout à la poêle, c'est une question de 3 minutes. Ça dépend
La cuisson qu'on en veut, hein, surtout si vous le voulez rosé, ça prendra 3 minutes, hein, même pas. Parce que là, je vois qu'il y a du parmesan, tu vas faire un peu gratiner aussi. C'est ça, d'accord. C'est ça, pour les pâtes. Donc là, on a séparé comme il fallait. Maintenant, on va passer par-dessous pour bien enlever la membrane, mais garder le maximum de rognon. Donc toujours mettre des petits coups d'incision. Hein. Faut tout simplement suivre le blanc de la membrane avec la pointe du couteau. Ouais, pour bien retirer. Voilà. Bon, après, j'imagine que... Bon, c'est un peu technique, mais on peut... C'est un coup de main à prendre. D'accord. Et voilà. Là, on a notre rognon qui est libéré. Ça marche. Maintenant, plus qu'à le couper. Oui. Donc, je le coupe. Là, tu travailles pour combien de personnes ? Voilà, il y en a pour deux bonnes personnes. Ouais, okay. Là, c'est un beau rognon, celui-là. Quoi, ça dépend. Il y en a des plus petits, il y en a des, mais des là, plus gros. Mais là, on travaille pour des d'accord. Oui. Il y en a, ils peuvent le cuire entièrement, donc dans le gras et du rognon qu'on vient d'enlever. Ah, on peut le faire au four. Réutiliser le gras à la limite. On peut le réutiliser. Il y a d'accord. des cuisiniers qui vont garder le gras, le faire fondre et l'utiliser comme... Bah oui, à la limite... Pour cuire tout autre viande. Ce qui est plutôt malin pour le goût, parce que ça te permet d'utiliser le produit et donc de ne rien perdre. Et en plus de continuer de parfumer avec le même produit. Quoi. Là, donc, on a notre rognon prêt à la cuisson. Ok, donc là on va passer en cuisson. C'est ça. C'est bon, donc là c'est parti, la poêle est bien chaude. Dès que ça fume. C'est ça. On prend tous les rognons. Et tu mets. Hop. Voilà, on va les mettre en cuisson. Donc on va bien laisser colorer. Ouais, tu fais recto verso, belle coloration. Voilà, c'est ça. Si on fait sauter un coup, c'est. Voilà. Et donc pour accompagner ce plat-là, il y a une sauce moutarde, non, c'est ça? C'est ça. Tu as déjà une sauce préparé moutarde. Voilà, donc elle a été préparée. Il y a quoi dedans? Tu l'as fait comment ta sauce moutarde? Donc sauce moutarde, c'est une réduction de vin blanc et d'échalotes. D'accord. Donc on fait réduire, auquel on ajoute de la moutarde à l'ancienne, donc c'est la moutarde en grain, et qu'on va tout simplement légèrement crémer pour un peu l'adoucir. D'accord. Sel, poivre, et c'est tout. Hop. Ah, on va bien on va bien faire colorer. Donc là, on va terminer la cuisson des rognons. On va récupérer nos pâtes qu'on va égoutter. On va les dresser en assiette. On va faire colorer notre lard. C'est ça. C'est ça. Après, on nappera avec la petite sauce, parmesan et on mange. Ouais, exactement. Et puis, je pense que ça se marie très très bien avec la moutarde. Oui. On est vraiment dans une recette hyper gourmande, quoi. C'est ça. Et puis, voilà, ça reste un grand classique, mais revisité. Et je trouve que quelqu'un qui, comme ça, de prime abord, n'est pas forcément attiré, bah, quand le plat arrive, tu te dis, bon, allez, je vais voir ce que ça donne et je vais tester, quoi. Donc, c'est une belle découverte. J'en mangerai peut-être pas tous les jours, mais c'est sympa. On va terminer avec un dessert. Oui. C'est quoi? Alors, c'est un cheesecake, mais froid. Enfin, à froid. C'est façon cheesecake, mais c'est pas vraiment un cheesecake. Le cheesecake, c'est un gâteau qu'on cuit. Là, c'est plus un dessert en verrine, à base de, voilà, vraiment froid, gourmand, qui rafraîchit aux agrumes. Et c'est ce qu'on va voir. Ok. Voilà. On commence par quoi? Alors, on va mélanger tout ce qui est Philadelphia, mascarpone, sucre
et la vanille okay, ensemble. Hop, je te donne. Voilà. Les éléments, les uns après les autres. Pourquoi tu dis sans cuisson? Alors, parce que de base, le cheesecake, le vrai cheesecake, c'est un gâteau qui se cuit et qui se mange froid après. Okay. Mais il y a une cuisson. Là, nous, on n'aura pas du tout de cuisson. Donc, tu as besoin d'un temps de repos ou pas spécialement? Tu me conseilles de le préparer un petit peu en avance quand même? Oui, vous pouvez laisser une demi-heure au frigo. Ah, d'accord, mais c'est une prise assez rapide. C'est très, très rapide. D'accord. Voilà, c'est très, très rapide. Donc là, on va y aller au fouet pour. Pour vraiment mélanger. Détendre. Et puis tu rajoutes donc un petit peu de vraiment, vanille. Ouais, vraiment, vraiment, on est pas chouette parce que c'est très, très, très puissant. Ouais, genre là, je pense qu'on est pas mal. Et tu mélanges. Voilà. Donc tes deux matières. Donc là, on mélange les deux masses. Fais le mélange au fouet, ça va un peu assouplir la mascarpone et Philadelphia. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de rajouter, genre par exemple, une espèce de crème fouettée pour justement avoir un côté peut-être un alors petit là, peu on plus aura, aéré? Voilà, c'est exactement, on aura un côté un peu plus mousseux. Moins de cheesecake. Voilà. Alors que toi, là, l'idée, c'est vraiment là, voilà, trouver c'est la voilà. matière du cheesecake. Voilà. Parce que le cheesecake, c'est quand même assez... Enfin voilà, c'est un morceau de, c'est un gâteau en général quand on mange un morceau, c'est quand on mange, voilà, c'est assez lourd. Mais tu veux retrouver en tout cas la texture assez dense. On veut le bon goût du Philadelphia, c'est ce qui fait tout. Donc là c'est bon, voilà. T'as détendu un petit peu. Là on est bien. Et donc on voit les petites... On va pouvoir remplir. Ouais. Donc on voit la vanille, donc les petits points de vanille. Donc là tu vas le mettre dans ta poche à douille. Voilà, on va mettre dans la poche à douille pour pouvoir garnir les. Donc là t'es parti sur des verrines, hein, on va le dresser en verrines. C'est ça. Voilà. Notre poche. Donc ouais, on est vraiment sur une recette... C'est extrêmement simple, rapide et oui, parce que là, en gros, on va faire les différents étages. Parce que là, tu es parti sur du spéculoos, c'est ça que tu as émietté un petit peu. Ouais. Et donc là, on va monter tout de suite en verrine. C'est ça. Attends, hop, je vais enlever ça. Et comme ça. Donc j'en mets un petit peu. Ouais, voilà. Donc là, c'est juste pour garnir le fond. Voilà. Donc là, on va terminer de monter nos verrines et après, on goûte. Le goût du cheesecake avec le Philadelphia qui est là. Et ce qui est vraiment bien dans cette recette, alors l'association spéculoos et clémentine, ça fonctionne ouais. bien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très rapide. C'est-à-dire ouais. que là, on l'a fait et tu vois, ça n'a même pas reposé. C'est très bon, c'est gourmand. Donc, si vous avez quelqu'un qui passe à la maison à l'improviste, bah voilà, tu as un dessert en moins de 2 minutes, rapide. Donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Jérôme, pour tes deux belles recettes et pour l'accueil. On a passé un bon moment, on s'est régalé, donc on reviendra l'année prochaine. Eh bien, on l'espère.